Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Un immense plaisir de vous retrouver à nouveau ici à Congo Buzz Télévision pour vous présenter l'émission Entre les Lignes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons analyser l'assassinat de M. Chérubin Okendé, tous les événements qui sont suivis, notamment la déclaration du PG près la Cour de cassation, les initiatives prises par le gouvernement et celles prises également par le camp Moïse Katumbi, l'arrestation des suspects et aussi l'enquête qui devra normalement commencer très très bientôt pour élucider le meurtre. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons une personne que vous aimez bien suivre, que vous aimez bien regarder ici à Congo Buzz Télévision, c'est Maître Joël Kitenge. Je pense que vous êtes heureux d'apprendre déjà qu'il s'agit de lui. Maître Joël Kitenge a fait aussi une enquête personnelle après avoir suivi, après le décès de M. Chérubin Okendé, sa voiture abandonnée au niveau de poids lourd. Il est allé sur place, il est allé également à la Cour constitutionnelle, où il a recueilli des informations. Eh bien, il va nous livrer ces informations à lui. Et quelle est son appréhension par rapport à cette question? Parce qu'on voit que les politiques semblent s'accuser les uns les autres. C'est vrai qu'il est aussi politique, mais il va nous donner aussi son point de vue par rapport à ça. Qu'est-ce que ces indices ont montré justement par rapport à ça. Maître Joël, c'est un immense plaisir de vous recevoir une nouvelle fois sur ce plateau Entre les Lignes. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation, mais Dan. Également, le plaisir est partagé. C'est une chaîne que nous portons à cœur et nous saluons tous ces personnels qui sont tellement compétents et qui font de leur mieux pour garder toujours haut l'empreinte que déjà Congo Buzz a pu s'imposer dans le chiquier des mondes communicationnels congolais. Exactement. Mais très très bien habillé. Hein. Merci, nous faisons de notre mieux. Vous savez, c'est la télé. C'est ça. Nous essayons de faire de notre mieux avec les moyens de bord. Mesdames et messieurs, Maître Joël Kitenge est ici avec nous. Maître, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, vous avez mené votre petite enquête. Vous êtes juriste de formation, vous êtes criminologue. En cours de formation. C'est vraiment votre domaine. C'est ma spécialité en fait. Je suis en cours de formation en criminologie, mais j'ai mon diplôme de licence en droit, mais également je presse comme avocat. Waouh! Vous êtes la personne indiquée pour ce genre de matière. C'est un domaine que nous vivons avec. C'est comme un sport pour nous. Alors, maître, qu'est-ce que vous avez découvert, vous, après avoir inspecté les différents sites? Alors, la question d'abord, comme nous le disons, c'est un citoyen, un frère, un grand frère, un honorable, un homme d'État. Nous profitons de ce micro de Congo Buzz, comme nous l'avons fait partout ailleurs, de présenter à sa famille, à ses enfants, à son épouse, et tous ceux qui, de près et de loin, sont touchés par cette tragédie. Et de manière générale, le Congo est touché, puisqu'il s'agit d'un élite du peuple. Et Lukunga en est aussi touché, puisque c'est le représentant de cette partie de la capitale où regorge un certain nombre de communes qu'il a été envoyé au Parlement pour plaider à leur cause. Assassiné dans les circonstances non élucidées. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé? Puisque
En réalité, nul ne peut prendre la place ailier du parquet, de la police ou de l'État en un seul mot. La profession d'avocat est une profession libérale. La réflexion, elle est libre puisque le droit et la démocratie exigent la liberté de pensée, de parole, d'idées, tout ça, même de religion. Tout de suite, la disparition de Cherubé Okende est devenue un fond de réclamation, une méthodologie de chantage et cette histoire de jeu de ping-pong entre assassins et victimes. Donc les autres pointent X et assassins, les autres disent nous sommes victimes de Y et d'un côté tout le monde dit ah ben tu sais qu'il dit, régime et autres. Ceux de tweets que nous avons collectés, je vais en faire en arrivant à la semaine, nous avons vu des tweets, à peu près 5 qui nous ont intéressés le 12 juillet, le mercredi le 12 juillet 2023 de cette année, date où présumé le présumé rendez-vous d'après devrait avoir lieu. À la Cour constitutionnelle. Non, c'est d'après, j'insiste, d'après. D'après eux. J'insiste sur cet aspect, c'est comme ça que je vais arriver à la Cour. Alors, comme la Cour est un endroit aussi public, c'est une instance, la plus haute instance de la République démocratique du Congo, et je ne vois pas en quoi je peux freiner ou commettre une infraction si je m'amenais simple comme citoyen congolais. Nous avons attendu ceci. Je suis un leader d'opinion, un acteur de la société, je communique. Et l'opinion ne doit pas être induite en erreur puisqu'on a besoin de la cohésion nationale. Nous sommes dans la période presque pendante et électorale. Et nous sommes face à des événements comme la guerre entre nous et le Rwanda. Et de toute autre méthode, nous attendons nos invités, donc les hôtes, qui viendront à travers le jeu de la francophonie. Il y a importance de recadrer dans l'opinion. En tout cas, certainement l'administration, je ne parle pas l'instance juge, puisque la Cour, il y a aussi l'administration de la Cour qui est dirigée par les greffiers divisionnaires. Il y a les greffiers divisionnaires, tous les huissiers, les greffes, et dans tous les niveaux, tant au parquet qu'au niveau de la Cour. Nous avons voulu aller nous faire une idée de communicateurs. Nous sommes arrivés à la Cour, nous avons essayé de voir à l'extérieur comment ça se trouve, les parkings d'ailleurs. Tout de suite, tout le monde le remarque que ce n'est pas une parcelle clôturée. La Cour pas de clôture, non. Il n'y a pas de clôture. Donc, si vous êtes... Le premier bâtiment, c'est l'immeuble Likasi, là où se trouve le CESAC. La Cour est le deuxième et le dernier bâtiment. C'est dans le prolongement des bâtiments dits royal que se trouve la Cour constitutionnelle. Et à partir du dehors, du bâtiment de l'immeuble où se trouve le CESAC, l'agence congolais des grands travaux, la direction du budget, le conseil supérieur de la magistrature. Il y a beaucoup de services de l'État dans ces bureaux et qui sont fonctionnels et actifs. Et à ce titre, plein de véhicules, des administratifs, des acteurs de justice. Il y a des sièges de beaucoup d'institutions. Beaucoup d'institutions dans cet endroit. À peu près 5 gros immeubles. Avec beaucoup de services, je dis bien des services de l'État, énorme dans l'ère de membrement, dans ces différents bâtiments. Seule la Cour constitutionnelle qui est la Cour de l'autre côté, le parquet près de la Cour constitutionnelle de l'autre côté, l'ensemble de ces bâtiments-là, de 7 niveaux, n'éloge que l'administration du parquet près de la Cour constitutionnelle et la Cour elle-même. C'était curieux de connaître, ou de voir comment ça fonctionne. Regardez de près de loin à partir de l'extérieur s'il y en a des caméras de surveillance, s'il n'y en a pas. Et quand on vient à la Cour, la procédure, donc question fait débat à la totalité, c'est quelle procédure? C'est ça, c'est ça que nous avons essayé de faire. Bref, ça c'était juste un résumé d'intro. Arrivé à la Cour, nous avons constaté. Nous nous sommes conduits égales. Nous sommes partis dans les lieux du garage de Kinshasa en diagonale avec Sep Congo. Où le véhicule, le corps sans vie de l'honorable Okende a été trouvé. Après la Cour, vous êtes allé vers Poids Lourd. Nous sommes allés voir la Poids Lourd. Le véhicule, oui. À part la Cour et Poids Lourd, nous nous sommes rapprochés de la famille. De la famille de l'illustre disparu. Exactement. À Lupen. Exactement. Et après, nous avons utilisé l'ensemble d'articles qui étaient dans les médias. Donc, nous n'avons produit rien.
Nous n'avons qu'exploité que ce que les autres ont mis en ligne pour porter un raisonnement rationnel. Vous avez suivi aussi l'interview entre le garde du corps et... Tout est enregistré. On a passé tout en revue. Le garde du corps a fait 3 interviews. Le premier, il le fait avec Peter Tchani. Une partie de cette interview, Peter en a tweeté même à 14h19. Nous sommes le mercredi 12 juillet 2023. De 14h34, Elisio Dia tweet. 14h39, Steve Owen tweet. Quelques minutes après, Patrick Local a tweet. Et à 15h19, Sonia Rollet tweet. Ah, ok, d'accord. Nous avons à peu près 5 tweets. Et dans le Twitter, il y avait le texte et un morceau de l'audio d'une conversation téléphonique entre lui et le garde du corps. Après ça, le garde du corps, c'est Israël Mutombo. C'est un élément. Tweet d'Israël Mutombo est venu plus tard, après 17h. Israël Mutombo va avoir l'interview téléphonique, là aussi, de lui et le prétendu garde du corps. Le prétendu, pour l'instant. Je dis prétendu garde du corps. C'est lui qui dit qu'il est garde. Ça aussi, on prouve, puisqu'on doit avoir un bulletin de service, un ordre des missions et tout ça. On ne devient pas garde du corps comme ça. L'unité doit reconnaître l'avoir affecté auprès de X pour le faire. Et se trouver la garde du corps sans les documents qui vous couvrent, c'est encore un autre problème. Ça, c'est du point de vue des infractions militaires. Donc, il dit être garde du corps. Certainement, les éléments prouvant qu'il est réellement garde du corps seront démontrés. Ça, c'est du point de vue des droits. Ensuite, le même garde du corps se substitue à un prétendu témoin policier qui était juste à la cour, mais nous avons essayé d'analyser l'audio, les signalétiques vocales de celui-ci, fait l'interview avec Bibi Kapinga, dans lequel il donne un autre récit des événements comme il a été témoin et il est tenté de suivre les kidnappeurs qui l'ont changé d'une jeep à une autre, ils sont partis avec lui. Le même monsieur. Et nous nous sommes approchés du parquet, le parquet en tout cas, du point de vue de l'instruction était secrète, on n'a rien trouvé. Quelques temps après, nous avons été bénis par le procureur général près de la Cour de cassation et le président de la Cour constitutionnelle qui ont fait une communication de presse. Est-ce qu'ils n'ont pas violé le principe de... Non, puisque ça fait débat. L'opinion était tout agitée. C'est un député, c'est pas n'importe qui. Il fallait fixer l'opinion sur le mot qu'il y a à travers le monde, la police et les parquets communiquent. Tous les parquets du monde ont un porte-parole, excepté chez nous. Tous les armées, tous les parquets du monde. Ils ont un communicateur, ils ont un chargé de communication du parquet. Et quand des questions d'une grande envergure sont saillantes, celui-là fixe l'opinion et la presse sur quelques lignes. Et la presse, sur base de cette communication, peut mettre en place des articles et des communications et orienter l'opinion, parce que ça fait débat. Sinon, vous demeurez dans le silence, tout le monde spécule, tout le monde va dire ce qu'il pense. Le procureur a fait ce qu'il fallait et il vient de le refaire avant-hier à nouveau avec les premiers éléments des conclusions, les premiers éléments de l'enquête en attendant des enquêtes approfondies des spécialistes et des experts et des domaines spécialisés. Et la police scientifique en a fait le premier début des conclusions en attendant le médecin légiste. Les 3 communications ont rassemblé en un mot les résumés de ce que je peux vous démontrer tout à l'heure. Donc en un mot, voilà les résumés de notre démarche. Puisque beaucoup de gens critiquent, disent, est-ce qu'on ne peut pas le faire là? Vous pouvez situer... Non, dans ce niveau, nous n'avons pas enquêté, nous n'avons pas instruit. Nous avons écouté le procureur parler, nous prenons ses propres mots. Le procureur est revenu encore pour parler, nous avons pris ses mots. À ce moment-là, l'instruction est secrète. Quand le parquet n'a pas décidé de dire mot, quand le parquet a parlé, il s'est confié à la presse. C'est pour que ça fasse débat. C'est pour que la presse relaye. C'est pour que la presse écrive des articles. À ce titre, nous ne violons pas le principe, n'est-ce pas, de l'instruction qui dit être secrète. Non. Les autres sont les chargés de communication d'un camp politique, ont tweeté et orientant déjà l'opinion. Nous prenons les tweets et nous les mettons à tabac sur la rationalité d'un raisonnement de ABCD. Seulement, comme tout bambin peut réfléchir, pas des grandes personnes. Et on a fait une analyse de la maternelle.
pour comprendre et tout était irrationnel. Premier élément. Par exemple, il est découvert que Honorable Chérubin, comme les autres, ont été invités dans une procédure non pénale, c'est celle qui vaut à déclarer le patrimoine privé et familial à l'entrée de la fonction comme ministre et à la sortie, c'est naturel et régulièrement. Laquelle procédure ne peut avoir des conséquences que fiscales. Une fois on évalue votre patrimoine, le juge qui aura instruit de ce dossier, il élabore son rapport qu'il va aller soumettre et défendre à la plénière des 9 juges une fois réunis en plénière. Et on élabore des notes, le président de la cour écrit, on envoie la DGI. La DGI taxe au regard de votre patrimoine ce que vous devez à l'État comme fisc. C'est ça la procédure. Mais et ça s'est fait comme depuis des années. C'est une règle naturelle. Sama Lukonde, Félix Tshisekedi, Maître Christian Bossembe, c'est dit, c'est ça. C'est de la CENI, des conseils économiques. Chacun le fait. C'est la règle et c'est le droit. Ça n'a rien à voir. Mais il y a un ministre qui a démenti. Lui, a dit qu'il n'a jamais été invité, contrairement à ce qui a... Je ne sais pas lequel ministre. Vous pouvez me préciser, on peut Mwando. Comprendre. Mwando, oui. Effectivement, pour deux, la seule raison. Pourquoi Chérubin a été invité? Puisque dans son dossier de déclaration, il y a eu des pièces manquantes. Et pourtant, le dossier de Mwando était complet. Inutile de l'inviter, on pouvait juste tenir compte de ce dossier qui manquait aucune pièce et la cour élabore de droit les rapports, la plénière statue et on envoie à la DGI. Laquelle de pièces qui manquait, c'est une preuve de sa démission, par exemple. Il y a un acte, l'ordonnance et vous nommez ministre. Mais il doit y avoir la pièce, parce que c'est le droit est un, nous travaillons sur le droit écrit. Le droit qui est d'application au Congo, c'est le droit écrit, il n'est pas verbal. Oui, il n'est plus ministre, mais il faut qu'il y ait une preuve attestant que vous n'êtes plus membre du gouvernement. Et la pièce, c'est l'acte volontaire de démission qui manquait dans le dossier. La procédure étant secrète et personnelle, on voulait obtenir cette pièce de lui. Ainsi, ils ont eu un échange téléphonique avec le juge qui était désigné pour rassembler de son dossier et faire état à l'Assemblée plénière. Alors, il dit non, je viendrai le mardi pour retirer l'invitation. Le mardi 11, pour retirer l'invitation, de 16, entre 10h et 16h. Il n'est pas venu pour des raisons de ses occupations. Et plus tard, le soir du mardi, il lui dit, demain mercredi, je vous envoie un de mes collaborateurs pour retirer l'invitation. Ce qui fut fait. À 11h, un homme se présentant à son nom et pour son compte va arriver à la cour, retire l'invitation, qui mentionne un rendez-vous de séance de travail avec le juge concerné, jeudi le 13. Jeudi le 13. Donc, le mercredi, à ce titre, la cour ne l'attend pas. Il n'y a aucun rendez-vous. Il n'y avait que besoin de retrait de l'invitation qui n'était même pas obligé d'y venir seul. Et lui-même en a tranché, disant que je vais envoyer un collaborateur. Et le collaborateur est venu. Pourquoi nous disons que le collaborateur est venu? Puisqu'à la cour constitutionnelle, nous avons essayé de voir ce que ça se passe. Il y a un registre à l'entrée et c'est géré par la police, le corps de garde. Qui que vous soyez, journaliste, citoyen, judiciable, avocat, mais en tout cas, on vous mentionne. Dans le témoignage du monsieur qui a été arrêté, dans le témoignage qu'il a, disons, dans l'interview qu'il a faite avec un journaliste, il a dit plutôt qu'il est venu avec le député Chérubin, ils sont arrivés à la Cour constitutionnelle, et lui est descendu, il a laissé son arme dans le véhicule, il est remonté pour aller justement récupérer cette invitation-là. Maintenant, c'est là où nous voulons... Vous comprenez comment ça nous a poussé dans cette nuance, puisque c'est ce qui a été relayé, puisque dans le témoignage, Peter Tchanou le relaye. Entre-temps, les éléments de la cour démontrent deux venis le mercredi 12. Est-ce que lui-même était là, à la cour? Deux venis. Non, mais la cour... Si lui, que lui soit à la cour, on doit le voir. Il doit se faire enregistrer. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. À la cour constitutionnelle? Non. Les traces du registre enregistrent la personne qui est venue au rendez-vous. Ministre tel, monsieur tel, pour les rendez-vous avec le juge tel. Vous déposez votre carte d'identité, on prend des éléments qu'il y a dans votre carte d'identité, on vous installe dans la salle d'attente pour recevoir le juge, pour aller raconter le juge. Chaque salle d'attente a une caméra. Les vidéos en appui, ce n'est pas son visage, c'est le visage d'un monsieur qui dit venir à son nom. Il est resté dans le véhicule. Je ne sais pas.
Ça, nous ne savons pas. Là, nous ne savons pas. C'est pourquoi nous avons projeté, nous sommes en train d'analyser sous des hypothèses. D'accord. La première hypothèse de 11 heures. Donc, le monsieur est venu avec Chérubin. Prenons cette hypothèse qu'ils sont venus avec Chérubin. Chérubin reste dans le véhicule. Il récupère l'invitation qui ne lui était pas adressée. Il les soumet à Chérubin. Chérubin lit. Il trouve que cette invitation, on lui demande de venir rencontrer le juge jeudi le 13. Chérubin trouve que jeudi le 13, par rapport à son programme, il sera chargé. Il va aller à son bureau ou quelque part, je ne sais pas, où il est allé faire la saisie de ce courrier qui circule d'ailleurs. Il sollicite, vous verrez dans ce courrier, c'est une réponse à une invitation précédemment retirée à 11h. Et là, je suis dans l'hypothèse qu'il est venu à 11h. L'hypothèse qu'il est venu avec 11h, restant dans le véhicule. Et à 11h, on l'enlève. J'ai dit l'hypothèse. À 11h, il est enlevé, comme on le prétend. Il est part. À ce moment-là, tous vos amis journalistes là pouvaient tweeter à partir de 14h, puisque quelqu'un portait disparu déjà à 11h, la fuite, donc à 14h, le tweet, pas sûr qu'il est. Ça, c'est une hypothèse qui semble aussi avoir son chemin. Mais la théorie voudrait maintenant. Je suis un collaborateur ou garde du corps ou chauffeur de M. Chérubin Okendé, que j'étais avec lui à la cour à 11h et qui disparaît à 11h, je pars, je prends un courrier que lui-même souligne que le du courrier, Chérubin Okendé l'avait signé dans sa voiture. Il l'a laissé dans sa voiture et il entra pour aller déposer le courrier du report du dit rendez-vous considéré pour la rencontre de jeudi à vendredi, de 10h à 16h. À ce moment-là, vous venez déposer une demande de dérogation pour un disparu. Donc à 11h, il est déjà porté disparu. À 11h, il est déjà enlevé. Mais tout de même, tu pouvais venir à la cour pour dire non. Voilà notre courrier ou voilà notre demande. Le rendez-vous de demain, nous ne saurions pas venir répondre. Puisqu'à 11h, j'étais ici. En descendant, mon chef est porté disparu. Vous saisissez la cour pour le cas échéant. Ce qui n'a pas été fait. Alors, si cela n'a pas été fait, vous arrivez avec une invitation pour déposer à la cour bonnement sans leur signaler que le monsieur dont je sollicite, qu'il viendra, qu'est-ce qui prouve qu'il va venir comparaître vendredi, puisque là, 11, vous savez qu'il a disparu. Vous venez vous déposer, il dit, j'ai fait 10 minutes en haut, en ressortant, je ne trouve pas quelqu'un. Et on rentre dans sa propre version. Deuxième hypothèse. À 11h, il était venu seul, il lui retire l'invitation. Il va chez Chérubin, Chérubin écrit, on écrit, on signe. Et à 16h, ils nous reviennent ensemble pour qu'ils déposent maintenant la remise de l'invitation dite à jeudi, à la rencontre de vendredi, en ce titre. Maintenant, il va disparaître à 16h. La deuxième question que nous nous posons. Maintenant, si jusqu'à 16h, il était vivant, il était encore dans son véhicule, les amis qui ont tweeté à 14h, qui leur a dit que celui-ci était déjà porté disparu? Le garde du corps vous dit qu'à 16h, il était vivant. Là, ça devient un questionnement. C'est ça un raisonnement que nous avons voulu que le public découvre. Les deux hypothèses de 11h, puisque, en tout cas, cette hôtesse d'accueil, si c'est un monsieur, c'est un homme béni. Il a eu le réflexe le plus réel de mentionner dans chaque rendez-vous l'heure et la minute que la personne est venue se présenter. Et s'il n'y avait pas de minute d'heure, ça veut dire que ce débat n'allait même pas avoir le sens. Juste accusé de récession sans heure et minute, on n'allait pas savoir à quelle heure c'était mercredi et tout ça. Et ces jarres d'heure, à 11h, 6 minutes, 16h, 2 minutes, ça prouve. Et à 14h19, quand Peter Chan tweet, qui lui a dit que l'autre était déjà disparu? Chérubin, à ce moment-là, nous sommes dans la théorie du complot. Le journaliste, quand il met un élément, il a une source. Sa source peut être complice. Et à ce moment-là, le journaliste peut renseigner la justice par sa source, puisqu'il s'agit de la disparition d'un homme d'État, d'un député. Et le journaliste, à ce titre, ne peut plus cacher sa source. Faute de quoi, il peut même être assimilé à un suspect pour avoir eu les informations sur la disparition de quelqu'un et les publier bien avant que celui-ci disparaisse. Qui t'a dit et qui t'a prévenu?
C'est ça les enquêtes criminelles, c'est ça le raisonnement des droits. Bon, je sens qu'il y a d'agitation, ils pensent qu'on s'encharne. Bon, je ne vois rien que moi personnellement, je peux m'encharner à personne. Ce sont des frères. Moi, j'ai déjà été invité dans la chaîne où Peter Tchani est DG. Et tous les autres amis que je cite, pour le cas là, c'est un frère à moi. Patrick, c'est mon frère. On a des liens, c'est mon frère. Qu'est-ce que j'ai à chercher? Élisée Odia, c'est une sœur. Tout comme Peter Tchani, entre nous, les quatre que je cite, là, sont des Congolais, des pères et des mères. À part Sonia Relais, qui n'a aucun lien avec lui. Elle. Donc, les autres, je ne vois rien. Mais c'est un raisonnement qu'il faut maintenant comprendre. Chéribin, vous demandez qu'ils collaborent avec la justice pour non, que la vérité... Non, mais à des fois, ils n'ont pas le choix. La justice ne va pas les faire les yeux doux. Ils ont le choix de s'expliquer. À défaut, ils doivent même être arrêtés. Par exemple, Chéribon Okende est d'ensemble. Ensemble avec Pidar et Katumbi. Peter Tchani est le chef de la communication de Katumbi. Là, ça devient maintenant un élément qu'on appelle le lien à causalité à effet. Pour voir que ce sont la bande d'un même réseau. Et ils pouvaient... Et il y a aussi un dissident de camp Katumbi, 4 mois avant, Eliezer Ntambwe, vous avez suivi l'excès de ces vidéos, où il projetait « On va assassiner un homme d'État d'une grande réputation pour faire porter les chapeaux au régime. » Je préviens le service de sécurité, ça fait 2 mois qu'il ne fait que crier ça, les vidéos circulent dans les tweets et partout dans les TikTok. Ça, c'est un élément. Pour avoir été ensemble, il connaissait aussi ses sources. À ce niveau-là, la justice peut aussi se ressourcer auprès de l'honorable Ntambwe Mposhi. Pour aussi l'inviter pour qu'il vienne témoigner. Bon, même à l'anonymat, ils peuvent lui donner les pistes. Puisque quand quelqu'un meurt, tout le monde est utile à contribuer à l'éclatement de la vérité. Et ceux qui n'auront pas à s'expliquer suffisamment peuvent être assimilés au présumé suspect. Et puis vous commencez à répondre de vos actes. C'est seulement jusqu'à ce que la vérité éclate et vous êtes innocenté. Pour des raisons d'enquête, oui, on peut même mettre des gens en détention. Il y a plus de 11 personnes déjà en détention. Pour des raisons d'enquête. Cet aspect-là peut être compris dans ce contexte où Chéribin ne s'est pas présenté à la cour puisqu'aucune trace ne prouve qu'il soit à la cour. On va dans la deuxième hypothèse. Il y a des caméras, s'il y a des caméras de surveillance à la cour, donc, étant dans la voiture à l'extérieur, ce sont les caméras de surveillance de l'extérieur, n'est-ce pas, qui peuvent regarder ce qui se fait à l'extérieur. Le véhicule est teinté. Alors, quelle est la caméra qui peut visualiser si X est dans une voiture teintée et connaître le visage et l'identité de celui qui est dans la voiture s'il n'est pas descendu? Quelle caméra au monde, au Congo, de quel bâtiment peuvent enregistrer et voir le visage de celui qui est dans un véhicule teinté, puisque tout le monde voit la marque de la voiture. Ce n'est pas n'importe quel Jeep là. Et comment, quelle caméra qui peut filmer à l'intérieur? Déjà, une hypothèse de caméra, la caméra ne pouvait que voir si la Jeep a été là. Le matin, voilà là où se trouve un autre élément. Le matin, on trouve une Jeep à l'entrée du garage de Kinshasa, avec un corps sans vie. La garde de ce garage alerte les enquêteurs, la police du coin, Souciat, qui est non loin de la CEP. La Souciat, là, qui vient, constate que la personne se doit bouger encore et il saignait. C'était 6 heures, 11 ou 6 minutes. Vous parlez de la journée du jeudi déjà. Le jeudi 13. Là, nous sommes jeudi 13. Le véhicule en marche, le phare allumé et le conditionnement d'air que nous appelons climatisation en train de fonctionner. Ces enquêteurs ne connaissaient pas qu'ils étaient directement, ils contactent le procureur de la Gombe. Celui-là a été expéditif à 7 heures. Il débarque avec 4 de ses magistrats et les agents de police judiciaire du parquet, les inspecteurs, pour un constat. On sécurise les périmètres de sécurité puisque le véhicule est considéré maintenant la scène du crime, là où il y a un corps, les garages, on n'ouvre pas les portes. Donc tout le monde était considéré pour un peu essayer d'enquête dans le périmètre, voir tout ce qu'il fallait. On voit 2 individus propres, vêtus, bons, qui débarquent et qui veulent franchir la barrière de sécurité qui a été mise pour sécuriser la scène du crime. Et ces 2 individus, jeudi à 8 heures, se présentent. Non, moi je suis le garde du corps de l'honorable. L'autre, il dit, moi je suis son chauffeur. Il dit, ah bon, ça devient curieux. Comment vous avez su
qu'il est là, puisque cette information est partie de la police vers le parquet n'a pas encore communiqué. Il est tôt ce matin. Vous habitez dans quel quartier? Oh, nous quittons Delvaux. De Delvaux, vous êtes au poids lourd et vous savez là où le véhicule est, le corps de la personne que vous êtes en train de sauvegarder, le corps de le chauffeur. Non, chef, nous avons le véhicule ici que vous voyez est équipé d'un système de GPS. Sous le garde et le chauffeur qui invente la théorie des GPS. Ils le disent sur place. Sur place. Et nous avons suivi et localisé par GPS, et c'est le GPS qui nous a indiqué que le véhicule est ici. Alors là, le procureur, ça devient clairier. Ah bon, monsieur, vous avez un système GPS. Dans les tweets que nous lisons, celui-ci aurait disparu depuis hier. Donc le GPS pouvait le sauver puisqu'on trouve que le doigt bouge encore. On pouvait localiser le véhicule depuis hier par des services et arriver à le sauver. Mais vous arrivez à localiser le véhicule avec un corps sans vie. Tout magistrat moyen ou compétent ou plein de dexterité dans les conditions pareilles arrêterait ces deux hommes. C'est comme ça que le parquet décide de prendre les deux suspects d'abord. Puisqu'il n'y a que eux qui se pointent et qui disent avoir localisé le véhicule. Entre-temps, dans la discussion avec Peter Tchani, le monsieur dit que il desculpe le chauffeur. Ol vient, hein, paraphraser en lingala, à Tinda qui chauffeur na Delvaux, avait envoyé le chauffeur pour aller déposer un colis à son père, à Delvaux. Et moi, via Pesa Kinga, Mambongo Moko Boye, peut-être cet argent, c'est une hypothèse qu'il est parti à la maison. Je voudrais peut-être qu'il m'a libéré pour aller à la maison. Et tout ça dans l'espace de combien d'après lui? De 10 minutes. Et la différence, c'est que dans ces deux interviews avec Israël, avec Peter Tchani, là où il se porte témoin avec Bibi Kapinga, trois versions différentes. Donc, il a fait des interviews avec trois journalistes ou dans des versions différentes? Différentes. De l'autre côté, il se présente comme un témoin qui a vécu la scène. Et quand on écoute la voix, on analyse l'audio de l'interview avec Peter, où il se présente le garde du corps. Deux éléments, il dit, quand je suis descendu, j'ai constaté que je fais ce qui m'a été demandé à la cour et je n'ai pas vu le véhicule du vieux. J'ai appelé le secrétaire général Bolengeteng. Là, ça suscite notre curiosité. Pourquoi nous sommes rapprochés aux alentours de la famille? C'est pour connaître s'il y avait des liens familiaux entre le chauffeur et la victime. On découvre que le chauffeur, c'est le frère à sa femme. C'est son beau-frère. Et le garde du corps, c'est son beau-frère. Le beau-frère à la femme. Le beau-frère à Chéribin, c'est le petit frère de sa femme. Le monsieur qui est arrêté. Hein. Oui. Moi, je suis garde du corps d'un beau-frère, le mari de ma soeur. Je descends, je ne le trouve pas. Premier réflexe, j'appelle le chef de son parti. C'est inconcevable. Je vais appeler ma grande sœur. Yaya, tu m'imagines un beau-frère Awa. Selon vos enquêtes... Hein. Vous comprenez pas les analyses que nous analysons. Mm-hmm. Selon nos enquêtes, c'est sa sœur. Les gardes du corps, là, il est vraiment le petit frère... De sa femme. De sa femme. Oui. Même père, même mère. En tout cas, pour préciser, même père, même mère, je ne peux pas vous dire, mais ils sont frères. Puisque l'épouse de Chéribin est la petite sœur du fait professeur Chamba Kaputo. Vous comprenez un peu, ça commence à être clair. C'est une histoire familiale. Ah oui, ça commence. Et les choses maintenant commencent à se dessiner pour que les Congolais en comprennent. Parce que tout de suite, on peut être... Oh, le président, oui, moi, j'ai dit non. Ici, je ne cherche pas à défendre personne. Maître, analysons le fait. Maître Joël. Vous comprenez un peu comment a été l'objet de notre démarche juste scientifique. Et je n'ai créé aucun élément. Je n'ai pris que des éléments qui émettent en lumière. J'essaie juste de pousser mon analyse de criminologue pour comprendre la coréité et comment on peut manipuler l'opinion avec ces éléments de petits demi-tons contre-vérité. Mm-hmm. Mais maître, pourquoi, si on reste dans l'hypothèse, pas dans l'hypothèse, le petit frère, le beau-frère de Chéribin Okende, pourquoi serait-il complice, on parle au conditionnel, de ce qui est arrivé? Alors, nous ne disons pas pourquoi il serait complice, puisque là, vous êtes déjà dans le questionnement du mobile. L'intérêt, pourquoi, qu'est-ce qui peut lui pousser à faire ça? Tout de suite, je vais vous dire, le monde est monde
Et les gens se mettent en possibilité de faire des trucs pour l'argent, pour le pouvoir, pour l'intérêt. L'intérêt est la motivation de tout le monde pour faire quoi et que c'est ça. Tu es là, tu fais ce que tu fais à Congo, puisqu'ils doivent être aussi conscrits à la fin du mois. C'est cela la loi. Pas d'intérêt, pas d'action au monde. Même Dieu lui-même dans la Bible, il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ça, je ne peux pas assumer, mais c'est une réflexion aussi générale. C'est comme ça que ça fonctionne au monde. Alors, il appelle Bolengeteng et c'est lui qui dit dans l'interview que je capturerai la pièce de ma correspondance à la cour et je l'ai envoyée à Bolengeteng. J'ajoute, à 15h, Ensemble aussi fait un communiqué parlant de sa disparition. Signé par Bolengeteng. Avant que... Et d'après nos enquêtes, il semblerait que Bolengeteng, le mercredi, il était à Goma. Le monsieur préfère appeler quelqu'un qui est à Goma que sa sœur qui est à la maison. Le mari de celui qui est en train de disparaître, qui est porté disparu. Deuxième élément, celui qui dit, j'ai pris mon arme, je l'ai cachée en dessous de mon siège, là où j'étais assis. Nassé Akiti. Son arme à lui, un policier, un garde du corps, laisse l'outil avec lequel il doit garder un corps, mais il s'envoie. Mais Bid, entre-temps, dans l'entrée de la police, de la cour, il y a une police là où on peut déposer bien son âme, les consigner pour rester dans la sécurité. Tout bon militaire ne peut jamais se séparer de son âme. C'est la règle puisque c'est un garde du corps. Pourquoi l'avoir laissé? Maintenant, à ce niveau, nous nous posons une question. On trouve Chéribé mort, on les ramène, les analyses commencent. La police scientifique, d'après le procureur, tout ce que je dis, ça vient de la bouche du procureur, devant la presse. Je ne suis pas entré dans les secrets de l'instruction, je n'instruis pas l'instruction secrète, je n'ai pas été avec le magistrat instructeur. Nous analysons ce que le procureur a dit devant nous. L'opinion, ça se passe en ligne, tout le monde a ça. Que l'arme qui l'aurait tué est cette arme qui a été découverte dans son véhicule. Puisque nous ne savons pas si l'arme qui était dans le véhicule était de Chéribin. Ou de qui. Mais c'est le garde qui dit c'est son arme. Mais l'analyse de la police scientifique dit que l'arme qui a fait ce trou, l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie, et les plombs, la douille, la balle correspond à l'orifice de cicatrice qui est dans le corps de l'honorable Chéribin et conforme à cette arme. Et là, tout de suite, on demande à qui appartient cette arme. Le monsieur dit, c'est mon arme. Nous réfléchissons encore. Il a pris son arme, il les cache sous le siège. Des hommes inconnus, lourdement armés, d'après le tweet, hein, nous prenons ce qu'ils ont dit, enlève Chéribin. Et ils prennent le soin de ne pas le tuer avec leur propre arme. Comment ils ont su qu'en bas du siège, une arme était cachée? Et ils prennent l'arme cachée pour en faire usage. Qui les a dit qu'il y avait une arme en bas du siège? Est-ce que la police scientifique a relevé les empreintes qu'il y a? Bien sûr. Les dernières empreintes? Bien sûr. La police prend toujours le soin. C'est pourquoi le procureur, après des premiers éléments de conclusion, en attendant la poursuite, puisqu'ici, le président a accepté, le procureur a souligné même qu'il a contact avec les experts sud-africains, français, belges, n'est-ce pas? Et c'est de la MONUSCO. Et des médecins légistes sont en pied d'œuvre. Ça, c'est le premier élément pour ce que l'opinion est agitée dans sa barre un peu vite. Et le procureur a fait l'élite de venir avec des éléments du débit pour que l'opinion soit fixée. Et au fil et à mesure, il a promis de revenir avec des éléments nouveaux pour fixer l'opinion. Une fois la conviction s'installe, eh bien, ils décideront de faire une requête au fait de fixation pour le déférer devant le juge compétent de manière à connaître au fond ce qui s'est passé dans la mort de Chéribin. Mais la question, c'est que le procureur note le caractère instable dans l'interrogatoire dont celui-ci est soumis. Le garde là, il dit tantôt ça, tantôt ceci, tantôt cela, et il donne plusieurs versions au même moment. Quand quelqu'un donne plusieurs versions du point de vue criminel, s'apparente à quelqu'un qui se bat pour dissimuler une vérité ou un élément dont il a parti connaissance. Je suis là. Je ne connais rien. Vous me questionnez même 40 fois, je vous dirai la même chose
même si vous me réveillez autant de fois dans un sommeil, je vous dirai la même chose, parce qu'aucun intérêt, aucune motivation. Quand le mot, vous dites ça, vous oubliez, vous arrivez, vous dites ça, on vous présente vos propres PV, vous n'êtes même pas torturé, et on se retrouve devant 3-4 contradictions, c'est qu'il y a un problème, du point de vue du comportemental. Alors, un autre élément d'enquête qui nous ont poussé, nous, à comprendre, quel est le parcours de ces gardes du corps? Certaines sources qui nous ont contactés soulignent qu'il a été aussi garde du corps du professeur Samba Kapoto, qui du reste est mort dans les conditions tragiques de la main du régime passé. Il deviendra le garde du corps du professeur de M. Pierre Lumbi. Pierre Lumbi est mort dans les conditions tragiques par le complice du régime passé ou peut-être par ses amis d'ensemble, on suppose. Il redevient le garde du corps de Chérubin et tous les hommes dont celui-ci est garde du corps politique d'ailleurs périssent dans les conditions mystérieuses. Là, ça devient aussi une donne puisque le caractère et le comportement, le passé d'un citoyen qui comparaît, qui est poursuivi, c'est pourquoi Batou Nagabi sur la question, avez-vous déjà été arrêté? Avez-vous déjà été condamné? Avez-vous déjà fait la prison? Et si vous dites oui, mais pourquoi? Ces passés précédents, les antécédents juridiques donnent déjà lié à celui qui instruit qu'il ait une idée à qui il a affaire. Est-ce que concours de circonstances seulement pour la mort de Samba Kapoto, où lui aussi a été garde du corps? Concours de circonstances seulement malveillant ou la mort de Pierre Lumbi, où lui aussi a été garde du corps? Et concours de circonstances pour Chérubin, que lui est garde du corps? Toutes ces questions-là, ça suscite. Et vous sentez que ces éléments plaident en défaveur d'un cas. Et l'agitation commence. Et c'est des déclarations fracassantes. Il meurt. Vers 16h, M. Suriano Nissimi, alias Katumbi Tchape, est devant France 24. Mmh. RFI. RFI. Il n'est pas allé par de doux de cuillère. Il parle d'un assassinat politique. Un assassinat politique. Bon, ça, je prends bien le mot. Un assassinat politique, il a parlé même au-delà des crimes d'État. Crime d'État, oui. Crime d'État. Assassinat politique, ça s'explique puisque les politiques sont partout. Mm-hmm. Ceux qui sont au régime sont des politiciens. Mm-hmm. Ceux qui sont dans l'opposition sont aussi des politiciens. Mm-hmm. Donc, les politiciens peuvent agir. Un assassinat politique, c'est là où la main du politique agit. Et qui est politicien, qui ne l'est pas entre opposants et majorité? Tout le monde est... Alors, ça, les mots, c'est à lui seul de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par assassinat politique. Ça revient du mot du genre bureau climatique et bureau climatisé. Donc, lui-même connaît la différence entre ces mots dont il emploie souvent dans ses sorties médiatiques. Quand il faut parler maintenant des crimes d'État, l'État, je doute si Katumbi a une notion basique de qu'est-ce qu'un État. L'État, c'est un système, c'est un régime, ou c'est un groupe d'individus, ou l'État là c'est qui? Ou peut-être lui il est dans la définition archaïque, où on considérait l'État dans le système du parti unique de Mobutu. Mobutu était l'État, puisque c'était le parti unique, le président fondateur, Tata Bomoko et comme tout ça. Mm-hmm. Ou dans cette théorie qu'il y a la séparation du pouvoir, peut-être Katumbi croit que l'État égale Tshisekedi. Ça, c'est dans son raisonnement raccourci. On le comprend tous. Mm-hmm. Alors, on peut aller maintenant dans l'aspect mobile. Mm-hmm. Tu sais qu'il dit. Chérubin, vous aussi, vous êtes journaliste professionnel, tout le monde vous connaît. Un homme doux, hein, comme vous. C'est comme Dan. Donc, un homme doux, modéré, un bon français, raisonnement, un docteur en droit. Il n'insulte pas. Il n'est pas dans les décalages de langage. Qui t'engage, ce qu'il est, mais pas Chérubin. Et quand vous découvrez même qu'il est tétéla, tout le monde est étonné de voir un tétéla qui n'a pas un sang chaud. Il est le seul. Un tétéla doux et modéré. Alors, quel est le danger que celui-ci représenterait pour Tshisekedi? Aucun. Si c'était Daniel Safon, on comprendrait. Ou Mike Mukebai, hein? Tu comprends dans la... Ça, on comprendrait même. Ah oui, c'est Safon. Ah, c'est Mukebai. Mais c'est Chérubin tout de même. Pourquoi on ferait ça? Et quelle est la raison?
une opposition qui est déjà en difficulté de mobiliser, ah, vous prenez position. De s'organiser. Non, non, vous prenez position. Non, je donne un... Non, je dis dans le mobile. Mmh. On arrive maintenant... Oui, j'ai dit, j'arrive. On est dans le mobile. Comment? Déjà, une opposition qui est déjà morte, foutue, amiétée, et vous allez le poignarder encore pour gagner quoi? Je ne vois rien. Elle nous a jamais mis en difficulté depuis que cette opposition, depuis 4 ans. Comment aller pointer un coup là où il n'y a plus rien à attendre? C'est encore une évidence. Maintenant, mais dans l'autre du point sens de vue... Exact. Dans l'autre sens aussi. Dans l'autre sens, oui. Puisque, du point de vue de l'opposition, on réclame le dialogue, ça barre. On réclame la révisitation du bureau de la CENI, fichier électoral, la révisitation de la Cour constitutionnelle. Tu connais les chapelets de leurs intentions, tu le reçois ici chaque jour. Tout ça, ça ne s'obtient pas. Et à la lire où vont les choses, les élections sont irréversibles. Comment? Ah non, j'oublie encore un schéma. Transition sans Tshisekedi et le docteur qui consulte ses malades et venir faire la consultation de malades à Kinshasa. C'est ça le travail d'un médecin quand même. Il consulte des gens avec des problèmes, surtout qu'il y a aujourd'hui, hein, dans l'évolution du monde, les gens à double SIM, qui s'emploient aussi au double emploi, comme il a toujours été béni de Dieu pour réparer nos mamans à l'Est. Et là, il répare maintenant les hommes. Les hommes à double SIM. Il les consulte aussi à Kinshasa. Cette problématique aussi est là. Cette problématique est là. Maintenant, comment faire des chantages à Tshisekedi? Comment utiliser un poids à Tshisekedi? Eh bien, on peut tuer quelqu'un. Et alors, si on tue quelqu'un qui de brouhaha, de turbulent, tout le monde va comprendre, ah, c'est le régime. Alors, prenons un être. Et voilà, un père de famille doit être utilisé en cobaye. Pour des réclamations, tout de suite, toutes les réclamations politiques et la pression reprennent vie. Grâce à la mort de Chérubin Okend. Vous verrez même, pour dire que la mission est atteinte, ils organisent une messe d'action de grâce. Je préfère dire à Lingala un mot. Kozongisa matondo, action de grâce. Boke kotonda nzambe, poete Chérubin Akoufi. Eux assimilent plutôt. Le catholique célèbre la messe de requiem et c'est quand? C'est devant le mort. Sur la messe des morts est souvent célébrée en famille. Dans la résidence de Kouyous, et ne ramène à la messe que le cercueil et le corps. C'est la première fois qu'on engage une messe, la personne n'est même pas enterrée. Mais vous avez suivi l'homélie du cardinal en Bungu? Ah, l'homélie à Jida. Alors que Jida était juste devant lui. Juste devant lui. C'est lui, Mouyouda. L'Israélien était juste devant lui, Jida, le blanc. Il était là. Il le cherchait où? Où il est allé chercher le Jida, il était juste devant lui pendant son homélie. Ce sont des actes. Il a dit, peut-être j'ai ce qu'il a dit ici, le cardinal Ambongo. Mais d'abord, les caractères, ça me dit, vous comprenez que on profite de la mort, on organise une messe hors doctrine, sans sens, qui s'appelle une messe d'action des grâces. Une messe hors doctrine, oui, c'est-à-dire une messe. Le messe de mort, de requiem, d'action des grâces, d'anniversaire, de commémoration, si c'est la date de l'anniversaire de la mort de... Ce sont les messes à la demande de famille. C'était la famille qui a demandé? Non. Nous avons enquêté. C'est l'ensemble qui a sollicité de cette messe, et cette messe est payante. C'est Katumbi qui a déboursé de l'argent pour que cette messe ait lieu. Et la veuve nous était là. Mon cher dame, je ne suis pas tribaliste, c'est excessivement d'employer les mots, puisque je sais quand même, Dani est mon frère. Moi, ma mère est katangaise, Dani lui-même est katangais. On est tous congolais. Mm-hmm. Notre épouse est katangaise. Moi, je suis tétéla, le père. L'épouse qui vient de perdre son mari en moins d'une semaine s'élève pour aller dans une messe d'action de grâce. Dire quoi? Merci au Seigneur, puisque mon mari est mort. Ça s'est fait ou quoi? On n'est plus bantou. On n'est plus kassaïen. On n'est plus katangais. C'est quoi ce genre de pratique? Pour faire plaisir à qui? Vous comprenez que maintenant la mort d'un père de famille est devenue l'objet de marchandage politique pour le camp Katumbi. Et tout de suite, c'est la période que le médecin vient consulter. Le médecin consulte. Tout
toutes les marches où on l'attendait à Kinshasa, il ne s'est jamais pointé. Toute fois qu'il était annoncé à Lubumbashi ailleurs, le médecin ne s'est jamais pointé. C'est suspect. Il attendait que la tête de quelqu'un tombe qui vienne. Non, tout est discuté dans les officines, dans l'ensemble. Et ils se sont racontés dans cette messe, dans les officines, en amont et en aval, avant que Chérubin tombe. Mm-hmm. Et ils viennent maintenant, merci Seigneur, puisque notre plan a fonctionné. C'est ça le mot et la conclusion de ce kit. Maître Joël Kitengé, on va finir une dernière question. Tout simplement, les gens d'ensemble comparent la mort de Chérubin Okendé à celle de Floribert Chebeya. Est-ce qu'il y a des points de ressemblance et de divergence? Il n'y en a pas. Chérubin Okendé, politique, ex-ministre, député national en cours de mandat, un homme d'État. C'est un citoyen congolais. Chebeya, citoyen congolais, activiste, sans mandat public. Il était juste président devant des 100 voix, ni élu, ni assumé une fonction officielle au sein du gouvernement. Et celui-ci avait été officiellement invité dans un bureau de l'État, les caméras, les images, les témoins pour Milambwe et les autres ont affirmé haut et fort de l'avoir vu. Les textos de discussion dans le téléphone de sa femme ont prouvé qu'il était parti au commissariat général de la police. Ici, personne n'a vu Chérubin à la cour. Personne ne l'a vu. Aucun élément ne témoigne, ni les textos, ni encore les éléments. Et le mercredi, il n'était pas attendu l'invitation de la cour avant que lui-même sollicitait les reports de vendredi. Mais l'invitation de la cour, le rendez-vous, c'était jeudi. Lui, il disparaît mercredi. Quel est le lien entre la cour? Dès le mercredi, il n'y avait plus aucun rendez-vous. La cour ne l'attendait pas mercredi. Quel est le similitude? La cour. Deuxième élément. Le fait qu'il soit invité. Non, l'autre, l'activiste, c'est Chebeya. Avait de rapports de Mbududia Congo, des massacres et de certains régimes contre le régime de Kabila. Mais qu'est-ce que Okendé a contre le régime de Tshisekedi? Regardez le caractère doux de Chérubin. Ce n'est pas la même chose. Donc ici, Chérubin n'est pas dans le cas de figure de l'autre. Puisque quand on prend de Chebeya, vous ignorez Boutetti, qui était président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, de quelle manière crapuleuse a été tué. La liste est longue. Vous ignorez Jacques Mbadou, le gouverneur de Bakongo Central, comment il a été tué alors qu'il a été invité de Congo Central à Kingakati dans la résidence de M. Kabila. Il n'est jamais ressorti vivant. On l'a tabassé, torturé jusqu'à aller le déposer ici à l'hôpital de Saint-Cantenaire, un cadavre. Dans les circonstances illicitées, il n'y a jamais eu enquête. C'était un gouverneur de province. Je n'entrerai pas dans le Rossi, dans les Thérèse Kapangala, où quand le siège de l'UDPS a été brûlé avec des combattants vivants dans le siège. Non, les crimes, on en a assisté. De tout un tas de gens, les crimes. Mais ici, nous sommes face à un élément dont nous tous, Congolais, de l'opposition, de la majorité, sommes tous unanimes de découvrir la vérité. Mais la manière dont on a failli teinter ces éléments nous ont poussé à faire ce travail. Les enquêteurs, ceux qui instruisent, peuvent rationnellement essayer de réfléchir, pas comme nous le faisons, mais à leur manière, avec des éléments plus cohérents, puisqu'ils ont le pouvoir répressif. Moi, je n'ai qu'une réflexion au regard des éléments que eux-mêmes le parquet met à notre disposition par la presse, je dis bien, par la presse. Et voilà comment nous avons produit cette analyse. Et à chaque Congolais comprend que qui est assassin et qui tire profit de la mort de celui-ci. Merci beaucoup, Maître Joël Kitengé. J'avais encore des questions à poser encore, mais compte tenu du temps que... Je reviendrai autant que vous pouvez organiser. Le dossier est encore pendant, puisqu'à tout moment, ce dossier, on doit éclaircir. Ça évolue. Nous suivons ce dossier de près. Et nous récolterons nos éléments que quand le parquet met en public, puisqu'on ne peut pas, l'instruction secrète, on ne peut pas violer les secrets de l'instruction. Oui. Nous prenons que ce que le parquet dit. D'accord. Merci beaucoup, Maître Joël. J'espère vous retrouver peut-être la semaine prochaine pour la poursuite de cette émission. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous espérons que vous avez
aimé l'émission. Peut-être si vous souhaitez aussi apporter un droit de réponse à cette émission, eh bien, contribuer plutôt entre lignes, la Congo Buzz est là. Nous allons aussi vous accueillir. C'est un espace public pour tous. Portez-vous bien et merci d'avoir encore une fois été avec nous. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.